Ouais. Est-ce que t'es vierge? Je suis. Waouh. C'est quoi ces questions, mec? Est-ce que ta maman, elle est vierge? Ah, mais... Est-ce que ta sœur, elle est vierge? Bah non, j'ai 30 ans. Moi, je parle des signes astrologiques. Non. Je suis balance. Dis-moi. Ouais. Est-ce que t'es vierge? Oui. Oui? Ah ouais? Ouais, j'attends le mariage. Ah, tu attends le mariage? Oui, regarde. Elle me montre les doigts carrément. Bah ouais, regarde. Mais attends, là t'as une bague ici. Ouais. Genre t'es marié ou... Non, fiancé. Fiancé, déjà? Ouais. Je suis sécurisée. Ah, elle est sécurisée. Sécurisée. Mais en étant fiancée, c'est interdit de le faire? Bah non, moi je préfère attendre le mariage. Mais déjà t'es fiancée, la personne a... Bah elle peut, mais moi je préfère attendre pour être sûre. Pour être sûre? Ouais. Là t'es moins sûre quoi. Ouais. Ah. Voilà, c'est pour être sûre. Ah. Après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est bien, ils peuvent faire ça. D'accord, mais moi je suis né au mois de juin. Moi je suis Gémeaux et toi? Comment ça? Mais quand j'étais vierge. Je... Ah! Non, moi je suis Capricorne. Je suis pas vierge du tout. Enfin si! Ah merde! Si je suis. Ah, je suis vierge. Ah! Je suis vierge. Mais par un signe, mais arrête. Ah, c'est pas drôle. Attends, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. La vérité. Non, c'est pas drôle. Mais arrête, en plus, j'ai dit, je suis pas vierge. Si, je suis vierge. Non, moi, je parle des signes astrologiques. Voilà. Je suis Capricorne. Capricorne. C'est super. Et dans la vraie vie, je suis vierge. Je voilà. Bien. En tout cas, je te remercie beaucoup. Restez vierge, les enfants. Je t'ai eu quand même. Hein. Ouais, tu m'as eu. Écoute, est-ce que t'es vierge? Non, je suis pas vierge. Hein? Non. T'es pas vierge? Ouais. Ah ouais? Mm-hmm. Sérieusement, t'es pas vierge? Ouais, sérieusement. T'as pensé à quoi? J'y pense à la virginité. Ah, à la virginité. À la virginité. Pardon? À la virginité. Oh, c'est quoi? Virginité ou virginité? Je suis bourré, hein. La vérité. Non, parce que... Bon, non. Pourtant, là, ma question, c'est pas basé sur ça. Uh-huh. Moi, je parle des signes astrologiques si tu es vierge. Parce que Non, c'était pas ça la question. Si, si c'est ça. Ah oui, maintenant, déjà, je suis pas vierge, je suis cancer. Donc, voilà. Alors, dis-moi, est-ce que t'es vierge? Oui. Tu es vierge? Non, mais c'est horrible, il y a mon petit frère. Oh, ton petit frère. Bon, Seigneur, dis-moi, c'est fou. Attends, tu es vierge ou quoi? Non. T'es pas vierge? Non. Ah ouais? Bah non. Mais tu penses à quoi? Comment? Tu penses à quoi quand je dis vierge? Bah la virginité. Mais non, c'est pas ça ma question. C'est quoi? Les signes astrologiques. Non, je suis pas. Mais c'est de ça que je parle en fait. T'es sûr? Non, je suis pas vierge. Ah, t'es pas vierge? Non. Dites-moi les filles, est-ce que vous êtes vierge? Je répondrai pas à cette question. Joker aussi. C'est quoi cette question là? Non, Châtelet vraiment. Hein. vraiment. Vraiment, ça me dépasse. Mais attends, est-ce que vous êtes vierge? Pourquoi vous faites des vidéos en demandant ça dans la rue à des gens? Ouais. Est-ce que nous, on va venir vous demander ce genre de choses? Mais attends, est-ce que c'est un problème si je veux savoir vos signes astrologiques? Ça se demande pas. Mais on n'est pas obligé d'y répondre. Pourquoi? Moi, je suis né au mois de juin. Je suis Gémeaux et toi? D'accord, moi je suis né au mois de décembre et je suis Capricorne. Et toi? Moi je suis Bélier. Bélier. Mars. Là vous avez répondu tranquillement en fait. Ça me va. Est-ce que vous êtes vierge? Non. Non. Non plus? Non. Ah ouais? Oui. Tu l'as fait la première fois, t'avais quel âge? 18 ans. 18 ans? 17. 17 ans, l'âge moyenne. D'accord. Mais pourquoi quand je pose la question, vous pensez directement à la sexualité? Parce que t'as demandé si on était vierge. Bah oui. Il y a aussi les signes astrologiques, bien sûr. Si tu veux demander le signe astrologique de quelqu'un, ça sera tu es de quel signe astrologique? Tu vas pas demander à quelqu'un, est-ce que t'es vierge? Il y a plusieurs signes, il y en a 12. D'accord, voilà. D'accord. Ah, 12, vous connaissez tout. Bah, y a... Par exemple, moi je suis né au mois de juin. T'es né au mois de juin? Ouais. Le combien? Début juin. Début 7 juin. T'es Gémeaux. Waouh, elle sait, hein. Comme maman, t'es né quand? Elle va nous dire le signe. Mois de juillet. Fin juillet ou début juillet? Début? Ah, je sais pas. Est-ce que vous êtes vierge? Non. Pas vierge? Non. Ah ouais? Sérieusement, vous n'êtes pas vierge? Non. Vous êtes né quand? En 93. Non, le mois? En juin. En juin? Ah! Début juin ou fin juin? Je suis cancer. Ah! C'est de ça que je parle! Alors, comment tu t'appelles? Rebecca. Rebecca, dis-moi, est-ce que t'es vierge? Je réponds pas à ça, non, ça va pas. Non.
c'est pas possible. Il a ri les pour mon pauvre. Non mais attends, on n'avait pas dit pas de questions sur le sexe. C'est quoi ce guet-apens là? Mais comment je pose la question? Est-ce que je parle du sexe? Bah oui. Est-ce que t'es vierge? Ah non, je suis capricorne. Alors. Non mais c'est pas comme ça qu'on pose la question. Demande quel est ton signe astrologique, jeune homme. Je suis balance. T'étais où toi? Non. T'étais où déjà? Comment ça, j'étais où? Moi je pars pas de sexe. Je suis balance. Balance, hein? Ouais. Moi je suis gémeaux. Ok, c'est bien. Là on va bien finir notre interview. Ouais. C'est cool maintenant. Ouais, c'est cool. Je vous ai eu ou pas? Ouais, c'était drôle. Honnêtement, est-ce que t'es vierge? Oui. T'es vierge? Oui. Ah bon? Oh, mais pourquoi tu rigoles? Non, c'est la caméra qui me regarde. Ouais, je suis vierge. T'es vierge? Mais pourquoi t'as rigolé alors? Parce que tu m'as dit, je pose pas de questions osées. C'est quoi ça? Ah bon? Donc toi, ton signe astrologique, t'es vierge? Non, je suis balance. Mais pourquoi tu m'as dit que t'étais vierge alors? Parce que je suis vierge. T'étais long, hein? Ah ouais. Je parlais pas de ça en fait. Ah bon? Ouais. Ça doit être ça. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, c'était ma question, je te remercie. Oui, de rien. Est-ce que t'es vierge? Non. T'es pas vierge? Non. Ah ouais? Oui. Tu l'as déjà fait toi? Oui. Mais pourquoi tu penses qu'à ça en premier? Parce que je sais. Moi je suis Verseau. Ah moi aussi je suis Verseau. Ah ouais, quelle coïncidence! Ouais. Oh, c'était ça ma question pourtant. Ah mais je savais pas, j'avais pas compris. T'es parti loin. Ouais, un peu trop. Toujours des dîners mal placés. Ah, tout le temps en fait, c'est ça. Tout le temps? Non pas moi, mais bon, toutes les questions à chaque fois c'est comme tu ça. Tu viens de le faire là? Ouais bah ouais. Et du coup. Bah, c'est le problème, c'est ça. Est-ce que t'es vierge? Non. T'es pas vierge? Non. Ah bon? Oui. T'es né quand? Je suis né quand? Ouais. Je suis né le 30 janvier 2002. Bah c'est de ça que je parle en fait, des signes astrologiques. Ah, je suis Verseau. Je comprends pas la question. C'est de ça que je parle. T'as pensé à quoi quand je dis vierge? Ah. Tu pensais à quoi? Non. Tu pensais à quoi toi? Non, rien. Non. T'as pensé à quoi quand j'ai parlé d'être vierge? Bah, si j'étais vierge, dans le sens si j'ai eu un rapport sexuel. Non, moi je parle pas de ça pourtant. Ok. Ouais, d'accord. On parle de signes astrologiques. Du coup, je suis Verseau. Super. Est-ce que t'es vierge? C'est quoi ces questions, mec? Est-ce que t'es puceau, toi? Comment ça, je suis puceau? Est-ce que t'es puceau, toi? Non, c'est quoi ces questions? C'est moi qui pose la question. Est-ce que t'es vierge? Non, vas-y. T'es je comprends pas l'intérêt de ta question, en fait. Non, tu peux pas me répondre. Bah, non. En fait, ça va changer quoi de savoir si je suis vierge ou si je suis pas vierge? Eh, vas-y, t'es relou, là. T'es non, en quel là, moment? Là, t'es relou. Moi, je suis non au mois de juin. Ouais. Début juin, je suis gémeaux. Et toi? Bon, on passe de vierge au signe astrologique. Ah, exactement. En fait, le but de la question, on veut vierge. Attends, on veut juste mon savoir. Mon signe astrologique, c'est vierge. Vierge aussi? Ouais, exactement. T'es né quand alors, dis-moi? On veut vraiment savoir si tu connais. Pourquoi? Tu me fais pas confiance? Beaucoup de gens, ils savent pas. De quoi? Comment ça, ils savent pas? Ils connaissent pas leur signe par rapport à leur naissance? Ouais. Moi, je te dis, je suis vierge. Mais t'es né quand? Je suis vierge. Mais dis-moi, t'es vierge, mais t'es né quand? Est-ce que t'es vierge? Waouh! Est-ce que ta maman, elle est vierge? Ah mais est-ce que ta soeur elle est vierge? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oh. Mais tu poses des questions bêtes. Tu penses? Mais frère, ça se pose pas. Tu penses? Ça se pose pas. Est-ce que ta soeur elle est vierge? Moi? Ouais. Non, ma soeur elle n'est pas vierge. Ah. Elle est capricorne. Moi je suis sagittaire. Elle est... Ah. Ah. T'étais loin toi. Ah. T'étais loin. T'étais loin, t'as vu? Ouais. Ah, super. Alors dis-moi, est-ce que t'es vierge? Il y a des gens qui te répondent comme ça et tout. Sur un trottoir et tout. T'es bien intime. Je vais pas répondre. Pourquoi? Bah parce que ça reste ma vie privée quand même, tu vois. C'est pas un truc que tu dis devant la caméra, tu vois. Mais tu penses à quoi? Mais comment ça je pense à quoi? Il y a que un truc pour être vierge. Tu veux que je parle de quoi? Il y a que un truc, t'es sûr? Bah ouais. T'es sûr? Ouais. Ton signe astrologique? Bah Lion. Lion, bah c'est de ça que je parle. Mon signe astrologique? Bah oui, arrête exactement. De mentir, mec. Oh, comment ça arrête de mentir? C'est de ça que je parle. Mais arrête de mentir. Mais. Tu m'as dit il y a qu'un seul truc en fait. Moi je vais fuir là. Alors qu'il y a aussi les signes astrologiques. T'as vu que c'est oui, toi, d'accord. T'as les idées mal placées. Je parle des signes astrologiques. Donc c'est juste pour savoir si les gens ils connaissent un peu leur signe astrologique. Par exemple moi, je suis né au mois de juin, début juin, je suis gémeaux, tu vois. Comment tu t'appelles? Sarah. Sarah, moi c'est des games. Enchantée Sarah. Alors dis-moi, honnêtement, est-ce que t'es vierge? Oui. Tu es vierge? Oui. Ah ouais? Ouais. Sérieusement, t'es vierge? Oui. Ah ouais? Ouais. On dirait pas, hein? Non, tu vois, comme quoi. Moi je suis Verseau et toi?
Vierge. Vierge? T'es né quand? En septembre. Non, tu mens. La tête de ma non, mère. Non, tu mens. La vie de ma mère. Non, elle a compris les jeux. Elle a compris le jeu. Ah, je suis déçu. Vierge. Ah ouais? Oh, voilà, elle est vierge. Elle est vierge. Franchement, je suis tombé dans mon propre piège. Écoute, est-ce que t'es vierge? Ouais. T'es vierge, toi? Ouais. Sérieusement? Oui. Tu penses à quoi? Je pense à rien. Tu penses à rien? Ouais. Ok. Ton signe astrologique, t'es vraiment vierge? Non. Bah, pourquoi tu me dis alors que t'es vierge? Mais il est bien, ce mec. T'étais où? Comment ça, j'étais où? Moi, je parle des signes astrologiques. Tu me dis que t'es... Ah, moi, je pensais pas ça. Est-ce que t'es vierge? Bah non, j'ai 30 ans. Non, mais... qui... J'ai 30 ans. Mais quel rapport? Non, non, je suis mariée si tu préfères sinon. Mais quel rapport? Est-ce que t'es vierge, t'as 30 ans? Ben non, je suis pas vierge. Ah bon? Et toi-même, est-ce que t'es vierge? T'es pas vierge? Ben non. D'accord. Moi, je parle des signes astrologiques. Je suis balance. Je suis balance. D'accord, moi, je suis Gémeaux. Je te remercie beaucoup. De rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était bien The Game Pro, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Alors, on se retrouve au prochain numéro. Moi, je pars, je vous laisse, mes amis. Bon. Au revoir, Paris, c'est magique, Paris, c'est magique.